Jusque dans l'extrême sud-est du pays, à Djerba. Une mosquée classée au patrimoine de l'île vient d'y être rasée pour agrandissement. En toute illégalité, par une dizaine d'individus et leurs engins de chantier. Ce sont des gens qui n'ont pas du quartier. On ne sait pas. Ils sont venus de bonne heure. Tout le monde y dort. Ils ont tout détruit. On est contre la démolition. Pour les riverains, c'est un coup de force de leur bête noire. Ils ne sont pas conscients qu'on vit un moment révolutionnaire, que les choses ont changé. Le temps dans lequel ils vivaient est tout à fait révolu. Effectivement, les agglomérations semblent calmes.